Qu'est-ce que vous faisiez en 70? En 70? Salut Babaxi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles. Je viens encore. Vous savez, vous connaissez bien des grandes civilisations du monde. L'Égypte, Babylone, Syrie, la Perse. Vous connaissez? Vous savez comment ils sont tombés sur le pied de l'islam? Toutes ces grandes civilisations sont tombées puisqu'ils ont cru la parole que les clergés ils prononçaient. Et dans l'islam, moi je parle avec vous, pas avec la salle. C'est pas avec la salle, avec vous. C'est pas le président de... Non, je parle avec vous. Puisque dans l'islam, monsieur Bianco, la première chose qu'on apprend, vous savez c'est quoi? C'est le double langage. C'est la trahison envers les autres croyances qui est autorisée. Et ça, c'est le verset de Coran. Moi, j'ai fait 120 livres. Dans mes livres, j'ai noté tout ça avec les références des versets de Coran. À vous, on dit qu'on respecte la laïcité, puisque c'était voté. Mais envoyer des enquêteurs à Paris sur Champs-Élysées, dans les banlieues parisiennes, vous allez voir le montée de l'islamisme en visage. Et vous allez voir les problèmes qui existent dans les communes proches de Paris, monsieur Bianco. C'est-à-dire, les gens qui parlent ici comme représentants de masse musulmane, c'est différent avec les services de renseignement des pays musulmans, que grâce au pétrodollar, ils forment l'islamisme en France et en Europe partout. C'est un islamologue qui vous parle. C'est quelqu'un qui connaît. Vous savez, en Iran, comment la révolution a commencé? Les étudiantes, ils sont devenus voilés à l'époque de Shah d'Iran. À l'époque de Shah d'Iran, on avait 5% de voile. Alors pourquoi pas? Un an après la révolution, c'était 65%. C'est le voile qui a commencé. Dans tous les pays musulmans que vous voyez actuellement, les guerres et le printemps, ce n'est pas printemps arabe, printemps d'islamisation des pays, ça a commencé avec voiler les gens. C'est pour ça que voiler les gens dans la rue, dans le... je ne sais pas où, peut-être, c'est le premier pas pour détruire notre civilisation judéo-chrétienne. La civilisation judéo-chrétienne est menacée par cette pensée que dès le départ, dans le Coran, je suis un spécialiste, je parle 5 langues, y compris bien l'arabe. Dans l'islam, dans le Coran, même il vous ordonne de mentir à M. Bianco. Vous dites, Monsieur Bianco, comme Yasser Arafat. Vous dites, Monsieur Bianco, on croit à vos lois, mais de l'autre côté, il dit aux femmes, allez. Venez à Neuilly, à Niers, Clichy, Colombe, chez Général Henri Bollé à Colombe. Vous allez voir le gamin de 5 ans, 4 ans. Voilà. En plus, moi, je suis un islamologue, je me dis, ce n'est pas dans l'islam. Parce que même Mahomet, quand il a imposé le voile, il a imposé seulement pour ses fans. Il n'a pas imposé pour le peuple. Il a dit, il y en a ça en Nabi, c'est-à-dire les femmes de Mahomet, puisqu'il avait 40 femmes, lui. Et 40 femmes, il faisait n'importe quoi, c'est dans le Coran. Il a imposé le voile pour les femmes de son prophète, Mahomet lui-même. C'est ça qu'on ne laisse pas de dire dans la télé, à la radio, je ne sais pas où je parle, bouquin, je mets le secret de l'islam. C'est vendu 50 000 exemplaires. Après, les gens, ils ont peur de le vendre. C'est l'islam. L'islam ne dit pas, c'est-à-dire Mahomet lui-même, il a imposé le voile pour ses femmes seulement. C'est ça qu'on doit dire dans les médias. Les laïcs, moi je suis laïque depuis l'âge de 12 ans. Et mon journal, c'était, le premier journal était interdit en Iran. Le titre, c'était Laïcité, Conscience. En 1981. Et j'avais que 20 ans. Et Rasmine, il est là, il faut témoigner. Monsieur Bianco, mais pourtant, actuellement, il y a des services de renseignement de pays pétrodollars qui financent l'islamisation des pays occidentaux. Et ça, on ne devait pas
accepter 32 personnes, il vous dit qu'on respecte la loi, il va l'accepter. Non, en pratique, il ne respecte pas. En pratique, et en plus, je vous dis une chose, le gars qui l'a crié, je ne sais pas c'était qui. Moi, je connais tous ces gens-là, puisque depuis 30 ans ici en France, j'étais avec eux, je les avais interviewés, on a parlé. À moi et à vous, quand ils parlent, ils disent que nous sommes laïcs. Mais dès que vous tournez le dos, ils sont musulmans. Une fois j'étais invité, Grand Orient, moi j'aime là. Grand Orient, j'ai donné un tenue blanche chez les francs-maçons. Dès que je suis entré, il y a quelqu'un, il m'a dit, ce gars-là, il est musulman. J'ai serré la main, j'ai dit, monsieur, je suis désolé, peut-être certaines choses que je vous dis, ça va vous gêner. Il m'a dit, non, non, David, moi je suis laïque. Je vous assure, dans le Grand Orient de Paris, quand j'ai commencé à parler, la première personne qui a contesté, c'était lui, qui n'avait pas le droit. Il y avait maître, il y avait les autres, ils n'avaient pas le droit de se moquer de... C'est-à-dire, nous avons ici des islamologues qui sont musulmans. Vous ne devez pas utiliser ces gens-là. On devait, comme j'ai dit à M. Jospin, à l'époque, quand il a fait la commission, vous vous rappelez quand il était Premier ministre, la commission qu'il a fait sur l'islam de France, moi je lui ai donné le projet. Mais après, il y avait les musulmans, il était musulman, pratiquant, et il disait que nous sommes islamologues. Ce n'est pas islamologue. Un islamologue, il vient, il note. Il dit, il vous dit la vérité. Il vous traduit la vérité du Coran. Et ça, ça n'existe pas. Et Monsieur Bianco, il ne faut pas. J'ai dit l'autre, le président Hollande. Je l'ai dit. J'ai dit, il ne faut pas croire ce que Marine Le Pen il dit. Toujours c'est mauvais si vous vous répétez. La laïcité est quelque chose qui nous demande de faire, de le défendre. On doit tirer le tiroir de Le Pen cet mot. On doit donner le champ de parole aux gens laïcs qui viennent dire dans l'islam n'existe pas tout ça. Mahomet lui-même, il... parce que tout ça, ça a commencé avec Mahomet. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que je crois qu'il y a un homme extrêmement des remarques et des questions qui me permettent, si toutefois j'arrive à attraper le micro, de préciser des choses et qui me permettent de te dire qu'une partie des questions que tu soulèves à juste titre ont des réponses dans notre rapport annuel. Je vais te dire lesquelles. Neutralité était à côté de indépendance. Neutralité veut dire que l'État n'a pas à privilégier aucun culte ou aucune conviction, y compris un théodostique. Donc, en particulier, la neutralité implique qu'on n'a pas le droit de faire ce que tu as fait. Deuxième point, sur les collectivités locales, nous avons dit explicitement dans notre guide qu'il n'y avait a priori aucune raison d'accepter le fait d'avoir des horaires séparés pour les filles et les garçons dans les piscines ou les établissements gymnases. Nous avons dit très nettement. Troisième point, en ce qui concerne le service public, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu vite, et c'est bien que tu sois revenu là-dessus. Le service public, c'est l'espace de la laïcité, je n'aime pas trop mes adjectifs, mais absolu, qui ne se discute pas, qui doit être total dans le service public, c'est-à-dire l'État, les communes et celles et ceux qui accomplissent les missions de service public. Dans l'entreprise, c'est un peu plus compliqué parce que la neutralité, la laïcité n'est pas absolue, mais les principes généraux s'appliquent aussi. Donc, non à des horaires séparés pour les femmes et les hommes, pour les filles et les garçons. Absolue neutralité de tout ce qui est l'espace du service public. Neutralité, ça veut dire indépendance par rapport aux religions, ça veut dire ne pas répondre à des demandes religieuses. Alors ensuite, il y a une question importante et difficile qui est le financement des lieux de culte. Il y a une certaine contradiction dans la loi telle qu'elle est aujourd'hui. D'un côté, on dit, article 2 de la loi de 1905, la République ne salarie, ne subventionne, ni ne reconnaît aucun culte. De fait, les textes actuels permettent à les collectivités locales plus qu'à l'État d'accorder des baux emphytéotiques, un tarif qui peut être intéressant, de garantir des emprunts, voire même, ce qui donne lieu à des acrobaties, de financer des lieux dits culturels dans des villes dites culturelles. La grande difficulté, comme tu le disais, est que l'islam est une religion qui est plus récente en France. Donc il n'a pas le même édifice, les mêmes édifices de culte que les autres religions. Et du coup, faute d'avoir un financement public, est ramené à des financements qui les mettent sous la dépendance de puissances étrangères, dont certaines, on en parlait à notre table, et je vais être précis ici,
exerce une influence délibérément néfaste contre notre République. Il ne s'agit pas seulement d'islam radical, mais d'un peu plus, et je cite explicitement l'Arabie Saoudite et le Qatar, y compris par l'enseignement et la subvention d'un certain nombre d'imams itinérants. Donc là, on est sur un terrain extrêmement dangereux. Mais en même temps, quelle est la solution? Est-ce que la solution, c'est de dire on ne finance plus rien, même pas sous forme de bail emphytéotique ou de garantie d'emprunt? Alors on sera en effet ramené à la situation que tu décris. Est-ce que la solution, comme le disent certains, serait de libéraliser? Non, à mon avis, parce que c'est quand même pas le boulot des collectivités locales de financer les cultes. Donc, nous n'avons pas la solution. Mais nous sommes conscients du problème. Il y a un débat qui est fait actuellement au Sénat. Je pense qu'il y aura un rapport là-dessus. Encore une fois, aucune solution n'est absolument exaltante. Statu quo actuel, interdiction absolue, ce qui serait conforme à la lettre de l'article 2 de la loi 1905, ou plus grande ouverture. En tout cas, merci de m'avoir permis de préciser que nous avons dit explicitement qu'il ne fallait pas de lieux séparés, d'horaires séparés pour les filles et les garçons, et que le service public était astreint à une obligation totale de neutralité dans ses agents, dans ses comportements et dans ses méthodes. Merci. Merci.